täna me räägime mälestustest Pariisist , Pariisi Ülikoolis ja Pariisi õigeusu seminaris õppimisest ja meie saatekülaline on metropoliit Stefanus me . õppisite alguses jesuitide koolis väljaspool Euroopat . millised on teie mälestused kooli ajast ? kui olla kõige pressimees , siis võib-olla teate , et ma tulin Aafrika tsentraalseks Kongoja , eks Belgias . et dans la partie de l'Est du Congo ex belge dans la région des grands volcans, comme on dit, le lac Kivu, le lac Tanganyika, et j'ai grandi là-bas, j'ai fait toute, toute ma jeunesse là-bas. Mon père était commerçant, et donc euh, il avait été envoyé là-bas très jeune, et c'est comme ça que je, je suis né en Afrique. En Afrique, nous avions de très bonnes écoles. Et... Moi, j'ai fréquenté l'école primaire qui était l'école des frères maristes. Et après, euh, le secondaire, j'ai eu comme professeur les pères jésuites belges. Et j'ai eu une très très bonne formation. Euh, j'ai vécu des années extraordinaires. Je pense que quand on est... Euh, on ne se rend pas compte. Qu'est-ce que cela veut dire l'éducation quand on est jeune Mais c'est le moment où on reçoit sans doute le plus d'informations d'ouverture sur le monde. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que les pères jésuites étaient des gens d'une très grande culture. Les pères jésuites belges étaient très connus pour leur qualité de formation scolaire. Et j'ai eu une éducation, je dirais, encyclopédique très vaste. Et je ne le regrette pas, et au contraire, je garde de mon séjour et de, ma, de mon vécu africain sans doute les souvenirs les plus forts de mon existence. Parce qu'il y avait euh, d'un côté tout cet apport de l'Europe à travers. Euh, mes parents à travers euh, mes professeurs à travers aussi euh, les les gens qui géraient le pays et qui étaient des belges mais en même temps j'ai connu aussi euh, cette euh, réalité de la relation étroite avec la terre parce que les africains sont des gens de la terre ils connaissent la terre ils connaissent le ciel ils savent lire dans les nuages et ils savent dire l'évolution des choses sur le plan de la nature. Et moi, du fait que mon père était commerçant et qu'il était en relation avec les Africains, toutes mes vacances scolaires, je les passais pratiquement dans les villages d'Afrique, dans les villages du Congo. Et j'ai eu des liens très très forts d'abord avec les jeunes enfants congolais avec lesquels je jouais, ce qui était quand même à mon époque un peu particulier. Ce n'était pas si facile d'avoir des relations entre les blancs et les noirs, comme on dit. Mais euh, là, le fait d'être dans les villages était une, quelque chose de très privilégié, parce que je parlais leur langue, je pouvais jouer avec les enfants pendant que mon père faisait le commerce. Et j'ai appris beaucoup de choses du point de vue de la nature, du point de vue du vécu humain, social, je peux dire comme ça. Et c'est le plus fort souvenir que j'ai dans mon existence et aussi la plus forte formation que j'ai eue sur le plan de, d'abord des études, sur le plan des connaissances, mais aussi sur le plan de la relation humaine. Voilà un peu pour ce vécu que j'ai fait en Afrique, qui jusqu'à l'âge donc de 18 ans, quand j'ai fini mon, mon collège. Et puis alors je suis allé en, en Europe. J'avais une bourse pour la Belgique. Donc je suis d'abord allé en Belgique. J'avais un attrait pour la vie de prêtre, mais j'avais très peur d'être prêtre parce que j'avais, je croyais que c'était une chose extraordinaire au-dessus de mes forces, et je me suis rabattu un peu sur la médecine. J'ai donc commencé à Louvain euh, la médecine, mais très vite j'ai compris que je faisais fausse route, et après une année d'études donc à l'université de Louvain. J'ai eu l'occasion et la chance d'avoir une bourse d'études à Paris, à l'Institut Saint-Serge, à l'Institut de théologie. Et tout de suite j'ai été reçu là et j'ai commencé à vivre à Paris. C'était d'ailleurs mon rêve de jeunesse. Je me rappelle toujours quand j'étais au collège à Bukavu, qui était la ville où j'étais né, j'avais un rêve, c'était de pouvoir étudier un jour à Paris. Et les choses sont venues comme ça, et je me suis retrouvé à Paris. J'avais l'occasion, la possibilité d'aller à Halki, euh, en Turquie. À l'époque, l'école de théologie de Halki était ouverte. On m'attendait là aussi. J'avais un père spirituel qui était un jeune étudiant à Louvain, qui m'avait connu et, et qui m'avait orienté vers Halki pour que je puisse faire de bonnes études de théologie. Mais quand j'ai appris qu'il y avait Saint Serge, euh, j'ai saisi l'occasion parce que en plus en Saint Serge on apprenait le russe et on, les études étaient en russe. Donc euh, je, je me suis dit Paris et puis les études en russe c'est toujours un, un plus à Halle qui je pourrais aller plus tard. Je ne savais pas qu'un jour Halle qui serait fermé, mais j'ai eu cette occasion. Donc je me suis retrouvé à Paris très jeune. J'avais donc 20 ans à cette époque et j'ai été reçu tout de suite à Saint-Serge. J'ai été étudiant là. Je suis arrivé en 1960 au mois de, au mois de septembre et les études commençaient au début d'octobre et donc tout de suite je suis entré dans, dans la réalité de, de ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire euh, devenir prêtre. Et voilà, c'est comme ça que ma démarche a commencé. J'ai fait mes études de théologie à Saint-Serge, j'ai terminé Saint-Serge, pas toujours avec des facilités, pas parce que j'avais des difficultés d'apprendre, mais parce que j'étais convoité aussi bien par euh, l'évêque grec de Paris que l'évêque russe de Paris. Tous voulaient m'avoir euh, pour le futur, parce que j'étais un jeune étudiant qui était très enthousiaste, je pense que je faisais bonne impression en tout cas ils cherchaient tous à m'avoir et c'était très difficile de trouver la voie pour finir euh, les choses se sont clarifiées d'elles mêmes et donc j'ai pu, euh, pu terminer mes études très facilement et très bien. Et j'ai eu des difficultés parce que quand je suis arrivé à Paris, le grec je le parlais très peu, le russe, il fallait l'apprendre. Je connaissais bien le français, mais ni à Saint-Serge, ni dans les lieux, dans les milieux où je rendais des services, le français passait à cette époque. Il fallait ou connaître le russe ou connaître le grec. Et la première année, qui était une année préparatoire, il fallait préparer certains, certains cours, certaines leçons, avec des livres qui étaient en grec. Parce que euh, l'année préparatoire n'était pas une année où on donnait des cours. On vous, on vous permettait de vous préparer à être étudiant en théologie. Donc on, on vous faisait lire des livres, on vous faisait euh, prendre contact avec la réalité orthodoxe, mais on ne vous donnait pas de cours. Et il a fallu que, pour, et c'est comme ça que j'ai appris le grec, que je parlais très mal, j'ai traduit des livres en grec. Du grec en français pour pouvoir savoir ce que je devais apprendre. Je me rappelle d'un certain livre du professeur Trembellas. C'était atroce parce que ce professeur était extraordinaire. Mais quand il commençait une phrase en grec, c'était une page entière. Et il fallait traduire toute la phrase qui faisait une page pour pouvoir... Il avait un grec très classique. Et donc euh, il fallait traduire toute la page. J'ai passé des heures entières, des nuits entières à traduire le livre en grec. Mais j'ai appris comme ça ma théologie, la base de la théologie. J'ai passé l'examen de propédeutique et ça s'est très bien passé. Donc et puis j'ai fait donc les, tout, tout le cursus à Saint-Serge, tout en étant en même temps déjà diacre. J'étais ordonné très jeune. J'étais ordonné. Euh, donc j'avais vingt deux ans, j'étais ordonné diacre et je servais euh, comme diacre, je servais à Saint Serge pour les liturgies, que je célébrais en slavon, et j'étais engagé pastoralement dans l'archevêché grec, parce que je m'occupais de la jeunesse grecque, et donc j'avais beaucoup de choses déjà j'étais très engagé déjà dans la vie de l'Église. Mais j'avais aussi euh, une autre une autre perspective. Je voulais entrer dans l'église, mais initialement mon rêve initial c'était de devenir moine. Je voulais aller au monastère. Mais les évêques ne me laissaient pas aller au monastère. Ils voulaient que je sois engagé dans dans la vie de l'église. Et mon évêque euh, Auquel je me suis attaché définitivement, qui était l'évêque grec, m'a dit si c'est ta vraie vocation, euh, un jour tu iras au monastère. Mais pour le moment, l'église a besoin de toi ici. Je ne suis pas allé encore au monastère, mais j'ai fondé des monastères. Et quand même, comme ça, j'ai eu, eu des, le plaisir des compensations aussi. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je sache un peu, sur le plan de la vie monastique, dans quoi je voulais m'engager. Or, parallèlement à Saint-Serge, il y avait la possibilité de faire des études parallèles à la Sorbonne. À la Sorbonne, il y avait une section qui s'appelait les hautes études. C'était une section où les étudiants, on pouvait être étudiant libre, on n'avait pas à faire un examen d'entrée, mais il fallait quand même avoir un background, il fallait avoir derrière soi un capital théologique que j'avais, puisque j'étais déjà en troisième année quand, quand je suis entré à la Sorbonne. Et donc le fait que j'étais déjà étudiant Saint Serge a fait que j'ai pu m'inscrire aux hautes études sans difficulté. Et aux études il y avait un, un homme remarquable qui s'appelait le professeur Guillaumont, qui était le spécialiste de la vie monastique d'Égypte et de Cété, c'était les syriaques euh, et il connaissait parfaitement bien toute cette vie monastique et la, et la langue syriaque. Il la connaissait très très bien, et donc il a. Euh, je me suis inscrit aux études. Ça a duré trois ans. J'ai suivi tous les cours des hautes études. Je me préparais à faire avec lui un doctorat d'État. Malheureusement, euh, on avait, on a. Euh, mon avenir s'est retrouvé à Marseille parce que le métropolite à l'époque voulait m'envoyer comme vicaire général à Marseille et donc j'ai un peu perdu cette possibilité mais toutes les notes que j'ai gardées et de ces, de ces cours que j'ai reçus j'ai fait un livre en estonien sur la vie monastique et donc ça m'a permis euh, de faire quelque chose de concret par rapport à mes études. Mais j'étais très très intéressé par, par cette vie monastique. Et donc c'est comme ça que j'ai pu, d'un côté, euh, faire des études de théologie orthodoxe générale et me spécialiser quelque part dans la vie monastique à travers les études que j'avais faites avec le professeur Guillaume. Voilà un peu le, mon cursus universitaire que j'ai fait en France. Oui, ce que je dois dire, c'est que euh, d'abord, euh, dans, dans l'ensemble, les études de Saint-Serge, parce que Saint-Serge était très, très euh, ouvert sur le monde chrétien en général. Saint-Serge, avec les professeurs de Saint-Serge, qui étaient des, des gens de haute qualité, l'orthodoxie s'est fait connaître d'une façon extraordinaire, parce qu'elle a joué un rôle important dans le Et puis la Sorbonne, c'est Paris, quand même. Donc, mes études, ce que mes études m'ont laissé de plus fort, c'est la capacité de pouvoir m'adapter et m'ouvrir à toutes les cultures. C'était quand même extraordinaire. Et j ai, j ai, je peux dire que ce bagage d'ouverture culturelle m'a beaucoup aidé quand je suis venu en Estonie. Euh, malgré les difficultés de l'adaptation en Estonie, je peux dire que je ne me suis jamais senti coupé de la réalité estonienne D euh, du de la culture estonienne, parce que j'avais reçu cette éducation polymorphe, polyculturelle. Et ça, c'est le grand acquis de de, toutes mes, de tout mon enseignement, euh, euh, je dirais scientifique et humain. Je suis arrivé à la Sorbonne dans les années 65. Je ne suis pas rentré tout de suite dans la Sorbonne. Il fallait d'abord faire le cursus, Théologique que j'avais fait à Saint-Serge. Et donc, euh, j'ai connu l'année 1968, qui a été la grande année de la révolution en France, avec les mouvements de jeunesse, avec les réactions de la Sorbonne, euh, les étudiants dans les rues, le Paris qui brûlait. Et il faut savoir que la révolution de 68, elle a commencé à la Sorbonne. C'est là que ça a commencé. On ne le dit pas toujours, mais bien sûr, il y avait eu tous les mouvements, les syndicats, les, les politiciens, les politiques, euh, les, les philosophes euh, de gauche, etc. Mais la, la raison profonde, c'est que la Sorbonne n'était pas capable de, de, de pouvoir recevoir tous les étudiants. Il n'y avait pas assez de place pour étudier. Et donc il y avait beaucoup d'étudiants qui ne pouvaient pas s'inscrire à la Sorbonne, parce qu'il n'y avait pas de place à l'université. L'université était trop étroite, trop petite par rapport aux demandes. Et donc c'est là que la révolution a commencé. Elle a commencé avec les étudiants de la Sorbonne. Et elle a commencé avec les jeunes, qui ont été après euh, absorbés par les syndicats, mais au départ, c'est la Sorbonne qui a qui a, qui a, qui a donné cette, ce coup de, de de révolution, de révolte. Il y avait une grande injustice, et donc euh, je dois dire qu'on était dans cette époque-là. Moi, j'ai vécu cette époque. Et je l'ai connue, mais je l'ai vécue, je l'ai subie aussi parce que je m'occupais des jeunes et des jeunes étudiants grecs, et, et, et parce que je voyais où je ne comprenais pas toujours, comme personne d'ailleurs très souvent, vers quoi tout ça allait aboutir. Et donc la Sorbonne était en même temps la référence culturelle, la référence de l'éducation, de la formation, etc. Mais la Sorbonne était aussi à ce moment-là euh, euh, le, le centre de l'inconnu pour le futur. C'était quelque chose d'inouï, d'extraordinaire mais évidemment avec tous les risques et tous les dangers. C'est cette expérience-là que j'ai vécue à la Sorbonne, avec en même temps cette chose tout à fait étrange dans les rues on jetait les pavés, on jetait les, les pierres sur les policiers, mais dans la Sorbonne on avait un silence total quand on rentrait dans la Sorbonne. Quand on recevait le cours, c'était comme si de rien n'était. On ne savait pas comment rentrer et comment sortir du, du bâtiment, mais dans le bâtiment, on apprenait des choses. Voilà un peu l'expérience que j'ai eue quand je suis arrivé à la Sorbonne et que j'ai connu la Sorbonne. Je n'avais pas de relation particulière avec les étudiants de la Sorbonne, parce que j'allais tout simplement suivre le cours et je partais. Mais j'ai vécu cette ambiance générale à Paris avec... Euh,

et pour lesquels euh, ils allaient suivre des cours qui, qui étaient leur intérêt personnel, qui se spécialisaient dans ce cours. Donc euh, les heures de cours qu'on avait à la Sorbonne, que je suivais à la Sorbonne, c'était pour nous des heures très studieuses. On arrivait au cours, il n'y avait pas de retard, le professeur était là, il nous attendait, nous étions à peu près une vingtaine d'élèves, d'étudiants il n'y avait que ça. Donc, quand on arrivait à la Sorbonne, on, on rentrait au cours, le professeur nous attendait, on, on attaquait tout de suite le cours avec le plus de sérieux possible. Une fois le cours terminé, on s'en allait. On ne on, on traînait pas dans la Sorbonne, on n'avait pas le temps de, pour ça. Ce qui était intéressant, si on voulait s'y aller à la bibliothèque pour continuer la recherche. Mais en fin de compte, le milieu des hautes études n'était pas le milieu des étudiants. C'était un milieu tout à fait différent. C'était des étudiants, mais avec un certain niveau déjà intellectuel, un certain niveau scientifique, et qui allaient pour se spécialiser. Ça n'avait pas du tout le même sens et le même comportement que les étudiants euh, des, des cours qui étaient donnés à la Sorbonne pour apprendre quelque chose et pour avoir un diplôme universitaire. On était au-dessus de ça. Donc, euh, on avait une relation avec nos professeurs. Monsieur Guillaumont était un homme extraordinaire. Euh, J'ai eu avec lui des entretiens extraordinaires parce que, comme je vous ai dit, je voulais faire, euh, je voulais faire une spécialisation en doctorat d'État. À l'époque, le doctorat d'État c'était pratiquement cinq ou six ans d'études de spécialisation. Avoir un doctorat d'État, ce, ce genre de doctorat n'existe plus maintenant et monsieur et j'avais cherché euh, je voulais prendre un thème qui était euh, donc euh, euh, la relation étroite entre euh, la prière et les attitudes corporelles de la prière à l'époque c'était un thème qui était très très comme ça important qui n'était pas très connu à l'époque et donc, Guillaume a été très intéressé par ça. Il m'a reçu chez lui plusieurs fois. J'ai eu des entretiens très profonds. Malheureusement, on m'a déplacé à Marseille et je n'ai pas pu continuer ce travail que j'avais commencé avec le professeur Guillaume. Mais c'était un homme d'une qualité extraordinaire. Dans les écoles de théologie orthodoxe se ressemblent toutes. il n'y a pas de grande différence dans la manière d'enseigner de, et, et la manière d'organiser la faculté de théologie. il y a des pays où il n'y a que l'église qui a des facultés de théologie. il y a d'autres pays où l'université aussi, comme en grèce, par exemple. en grèce, on a la théologie. on l'apprend à l'université et l'église peut avoir des des instituts mais la faculté c'est à, à l'université dans d'autres pays comme par exemple en Russie l'église a ses propres écoles de théologie donc euh, mais le cursus est toujours basé sur le même principe maintenant euh, la question euh, c'est la mentalité quand on vit quand on vit dans des pays trop traditionaliste, c'est évident que les professeurs qui enseignent la théologie restent dans cette tendance très traditionaliste. Si on vit dans des pays qui ont une histoire, pays orthodoxes qui ont une histoire difficile, surtout les pays du Moyen-Orient, les pays des Balkans, c'est évident que la théologie orthodoxe telle qu'elle est enseignée peut parfois être vue comme fondamentaliste ou comme non progressiste je n'ai pas connu cette façon je ne connais pas parce que je n'ai pas vécu ni dans les pays orthodoxes ni dans les pays ni en grèce ni à chypre pour dire que je vais être éduqué comme ça moi j'ai eu la chance je le répète d'avoir été étudiant à saint-serge dans, un, dans une école où tous nos professeurs avaient été formés en Russie, mais avaient acquis une expérience œcuménique très large par leurs contacts et leurs relations avec les autres facultés de théologie et les autres églises. Donc j'ai eu cette, cette, cette possibilité d'avoir une autre type d'approche, pas une autre théologie, mais une autre vision de la manière dont l'Église doit se comporter dans le monde. Et à côté de ça, j'ai eu la chance d'être diacre pendant des années auprès d'un métropolite, mon métropolite Monseigneur Meletios, qui était un homme qui avait une grande faculté d'ouverture. Il était grec, il était formé en Grèce dans la tradition grecque, mais en venant en, en Europe, il, a acquis, il avait acquis une, une expérience, une ouverture sur le monde très forte. Et donc moi j'ai vécu non seulement au niveau des études, mais au niveau de la pastorale. J'ai vécu auprès d'un homme qui m'a ouvert des voies tout à fait nouvelles par rapport à ce qu'on aurait pu m'enseigner en Grèce. C'est dans ce sens que je peux dire que je suis privilégié quelque part par la manière dont j'ai été éduqué dans ma jeunesse, pendant mes études de théologie et pendant mes premiers pas dans la vie pastorale de l'Église. Donc mes centres d'intérêt étaient tout à fait tournés vers les réalités dans lesquelles on se trouvait, dans lesquelles on vivait, et pas du tout à essayer d'excuser ou d'expliquer théoriquement ce qui aurait pu être ou ne pas être. C'est la différence. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant, mais tout était intéressant. J'avais reçu de mes parents, je dirais, l'esprit de l'orthodoxie. Mon père aussi, mon père était un, qui était un orphelin, il avait été envoyé en Afrique par sa famille pour travailler. Et lui aussi, c'était un homme très ouvert, très accueillant. Ma maman avait fait de très bonnes études, et c'était une femme qui était aussi une personne très ouverte. Et alors, euh, j'ai reçu de mon père l'esprit de l'orthodoxie, qui était l'esprit de l'accueil, de la compréhension. Papa n'était pas un fanatique, mais c'était un homme avec une foi profonde. Et papa pouvait, pouvait tenir, je dirais, la conversation avec n'importe qui, mais toujours avec un esprit de compréhension, jamais d'opposition. Donc j'avais reçu cette éducation spontanée. Là, j'avais compris que l'orthodoxie, n'est pas quelque chose qu'on vit raisonnablement, mais qu'on vit avec son cœur et, et tout son être. C'est tout à fait différent. C'est pas quelque chose de. Euh, on, on peut pas expliquer tout, on peut pas euh, comprendre tout, mais dans la foi, on peut tout, tout engager dans, dans son existence. Donc. Je, je, quand je suis arrivé en Europe, j'avais cette ouverture de mes parents. J'avais ce bagage. Mais je ne savais pas la richesse de ce bagage. Parce que mes parents, mon, ma mère n'était pas une théologienne, mon père était un homme très simple. Moi, euh, quand j'étais au collège avec les pères jésuites, j'avais beaucoup de questions. Je demandais toujours à, à mes parents, à mon père, mais pourquoi c'est comme ça Pourquoi toi, tu me dis ça et mes professeurs me disent ça et papa ne pouvait pas m'expliquer. Moi, j'avais à dix-sept ans, je voulais des réponses, des réponses pour pouvoir réfléchir et pouvoir. Papa me disait "Mon fils, c'est comme ça chez nous. Ça suffisait. Papa, pour papa, c'était normal, c'était comme ça. Mais c'est comme ça, ça suffisait pas. J'avais besoin de réponses. Donc, quand je suis arrivé en Europe, il y avait en moi un déchirement profond." Qu'est-ce que j'allais faire? Bon, d'accord, je voudrais, au moment, quand j'ai choisi de m'engager quand même dans la prêtrise, parce que moi, à cinq ans, je pensais déjà être prêtre, quand j'avais l'âge de cinq ans déjà. J'étais attiré par ça. Les autres enfants jouaient à toutes sortes de jeux d'enfants et moi je faisais des messes. Moi je célébrais des messes dans ma chambre. C'était mon style à moi ça. Donc j'avais cette tendance, et j'avais peur à la fois. Comme je vous ai dit, je trouvais que c'était énorme comme engagement. Mais maintenant s'ajoutait aussi le fait, dans quelle église Est-ce que je resterai dans l'église de mes parents Ou est-ce que celle que, dans laquelle j'avais été baptisé Ou est-ce que j'allais passer chez les quatre catholiques, qui m'attiraient beaucoup où ils étaient, qui disait des choses extra étonnantes, extraordinaires. Quand je posais une question à mon professeur, il avait tout de suite la réponse. Quand je posais la question à mon père, il disait c'est comme ça chez nous. C'était énorme comme, comme, comme différence. Et moi j'étais dans tout ça. Donc j'arrive en, en Europe, je suis perturbé par toutes ces questions. Euh, je me pose sous le temps la question. Et puis par bonheur, pour la première fois, parce que en Afrique, on avait une fois par an le prêtre orthodoxe qui passait par notre ville, et il fallait tout rassembler à ce moment-là les baptêmes, les mariages, même les, les décès, parce qu'il venait qu'une fois par an. Les liturgies, tout ça, ça se faisait sur deux, deux, trois jours, et puis il partait. Alors, euh, j'arrive en Belgique. Et la première chose que je cherche à faire, c'est trouver un prêtre orthodoxe parce que je voulais euh, avoir des réponses. Personne ne savait où il y avait un prêtre orthodoxe à Louvain. Par bonheur, il y avait un restaurant italien. Où j'allais euh, chaque dimanche manger au restaurant italien et là j'ai fait la connaissance d'un serveur qui était très gentil. On est devenu amis. Un jour, je lui dis, tu sais, je suis bien embêté parce que je voudrais trouver un prêtre orthodoxe. Il me dit, euh, ah ben, je sais où il y en a. Un. Près de la gare. Tu vas aller à telle adresse et tu vas voir le prêtre orthodoxe. Bon. Alors, je vais à la gare le, après le repas. Je vais près de la gare. J'arrive à cette adresse. Je vois, c'était à l'étage, une petite. C'était dans une maison. Je vois un, un papier sur la porte, tel jour, à telle heure, il y a la messe et tout. Donc j'arrive. Par bonheur, c'était un jeune prêtre grec, le prêtre grec qui m'avait aidé ensuite, qui faisait des études de doctorat à, 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 à Louvain, et c'est sur lui que je suis tombé, parce que c'était lui qui célébrait. Il n'y avait pas d'autre prêtre, effectivement, c'était un étudiant. Tout de suite, ça a été clair. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ce problème. Parce qu'il m'a dit, tu fais quoi Je dis, je fais médecine. Mais je ne deviendrai pas médecin. Il dit, comment de... Je dis, parce que moi, je, je crois que je vais devenir prêtre. Je, je ne suis pas fait pour la médecine. Mais je lui ai dit, j'ai un problème. Voilà le problème. À Louvain, il y avait le séminaire des, des jésuites. Et les pères jésuites me connaissaient bien, donc ils espéraient de tout leur cœur que j'irais au séminaire. Je dis, voilà, d'un côté, il y a les pères jésuites qui attendent que j'aille au séminaire, et puis il y a toi maintenant. Je pose des questions. Je vous poserai à tous les deux la même question. Pour la première fois, j'avais quelqu'un qui pouvait m'expliquer. Et j'avais euh, 19 ans. Alors, euh, il me dit, d'accord, je dis, attention. Il faut dire. Il faut pas tricher. Tu triches, tu me perds. Et j'ai commencé, pendant une année, j'ai posé des questions. La même question aux deux prêtres, aux catholiques et à l'orthodoxe. Parce que je m'étais dit, j'ai reçu de mon père quelque chose, mais je ne sais pas ce que j'ai reçu. Je ne pense pas que je serais honnête de quitter éventuellement ce que j'ai reçu si je ne sais pas pourquoi je quitte. Donc, où je reste, où je quitte, mais il faut que je sache. Voilà que j'ai la chance. Et voilà comment ça s'est passé. Et donc, je posais les questions. J'avais un petit carnet, je notais les réponses. Puis j'allais voir l'autre prêtre. Je posais la même question. Je écrivais les réponses. Et puis j'allais chez moi et je réfléchissais. L'un m'a dit ça. L'autre m'a dit ça. Et je réfléchissais. Et puis un jour, j'ai il n'y a pas de raison que je quitte mon Église, celle que j'ai reçue, celle dans laquelle j'ai été baptisé. Je ne vois pas la différence et je ne vois pas la raison pour laquelle je dois quitter. Et c'est comme ça que je, je me suis stabilis, stabilisé dans ma conviction qu'il fallait que je reste orthodoxe. À partir de là, les choses sont devenues très faciles. Ça, ça a été le grand combat de, de ma jeunesse à Paris. Et ça, évidemment, je crois que c'est le souvenir que je peux garder de cette période euh, où alors j'ai commencé à écrire. J'ai un, un frère et une sœur. Alors j'ai d'abord écrit à mon père pour lui dire, tu sais, je vais laisser la médecine pour telle et telle raison. Mon père m'a répondu. Il m'a dit, euh, tu sais, euh, il faut savoir, il faut que tu saches que ce n'est pas un jeu. J'ai confiance en toi, mais il faut savoir que dans la vie, tu ne connaîtras pas que des moments faciles et agréables. Puis j'écris à ma maman, ma maman était sentimentale et là ça n'a pas très bien marché, ni ma sœur. Puis j'écris à mon frère. Et mon frère jouait un peu le, le rationaliste. Il m'a dit "Écoute, cette avocation fonce." Et donc j'ai fait. J là, j'ai dit "Ça va." Donc, et, mais je me suis dit aussi que je ne rentrerai pas à, à Saint-Serge parce que j'avais appris qu'il avait Saint-Serge si je n'ai pas la bénédiction de mon père. Je, et là, pour moi, ce sont des valeurs que j'avais. De, de toujours, pour moi, euh, il fallait la bénédiction de mon père. Et si mon père m'avait dit non, j'aurais terminé mes études de Saint-Serge, je ne serais pas devenu prêtre. J'aurais peut-être servi autrement, mais je ne serais pas, de, parce que je n'aurais pas eu la bénédiction de mon père. Parce que mon père était un homme de foi, et j'avais besoin de sa bénédiction. Mais quand j'ai écrit à papa, j'ai dit, écoute papa, j'ai reçu ta lettre, mais je crois que... C'est ma vocation. Et je, je demande ta bénédiction. Et il m'a envoyé sa bénédiction. Tout ça, ça se faisait, c'était difficile. C'était les, les temps de l'Afrique. C'était l'Afrique où on devenait indépendante. Les courriers ne marchaient pas très bien. Tout ça, c'était très, très problématique. Mais j'ai eu la réponse de papa et je me suis inscrit à Saint-Serge. Toute cette péripétie, c'est peut-être ce qui est euh, C'est pas quelque chose que l'on peut dire. Euh, je ne sais pas, comme un fait, c'est l'existence même qui était engagée et ça a pris du temps, deux, trois ans avant que tout ça prenne forme. Mais grâce à Dieu, les choses se sont bien passées comme ça. Et plus le temps passe, plus je vois que j'ai bien fait de rester dans mon Église. Je ne compare pas mon Église avec les autres Églises, je ne fais pas de comparaison. Mais je crois que j'ai bien fait de rester fidèle à ce que mes parents m'ont donné et qui me comble toujours et qui me donne toujours du plaisir. Voilà un peu le souvenir que je peux donner pour mon séjour en France et à Paris. Après, les choses sont devenues faciles. Oui, une fois que je me suis engagé dans, dans la... que j'ai pris la décision euh, d'entrer dans, dans, dans le sacerdoce, c'était fini. Après, le chemin était ouvert. Merci beaucoup, monsieur. Voilà.